Salut, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir ma boutique. Il y a des tas d'objets à l'effigie de mes vidéos, du roleplay prison, du roleplay école, des vidéos avec mon fils et plein d'autres choses. Donc tu trouveras des t-shirts, des mugs, des sacs, des stickers et plein d'autres choses. Donc le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller acheter des produits et moi je vous souhaite un très bon visionnage. Et bonjour tout le monde, Soximos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft et aujourd'hui les amis, eh bien Carlos va aménager dans ma ville à côté de chez moi, il va choisir sa maison et on va l'aménager. J'espère que ça va vous plaire, comme d'habitude pensez à lâcher un maximum de pouces bleus, une vue est égale à un like et évidemment abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, je sors des vidéos tous les jours. Donc voilà, faut mettre 10 000 pouces bleus et ça sera nickel. Donc oui, il n'y a pas de vidéo avec mon fils aujourd'hui tout simplement parce qu'il est pas là, il est en repas de famille, moi j'ai pas voulu y aller parce que je viens d'arriver dans ma toute nouvelle ville et il faut que je fasse quand même pas mal de trucs et tout, j'ai quand même pas mal de trucs à faire donc voilà. Donc il y a Carlos qui est dans ma maison. Il y a Carlos qui est dans ma maison, donc du coup Nils y viendra demain. Il y a Carlos qui est dans ma maison, il est venu chez moi et du coup bah il choisira une maison et on l'aménagera tous ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup à la personne qui m'a envoyé une petite photo de son suite, donc un suite famille Oximos. Donc voilà, c'est une fille qui m'a envoyé ça avec son iPhone et tout, c'est vraiment stylé, donc merci beaucoup à toi, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas, quand vous commandez des produits sur la boutique qui est dans la description, c'est le Teespring, vous achetez des trucs, dès que vous les recevez, vous m'envoyez tout en fait, voilà, vous m'envoyez la photo sur Instagram, @oximosyt, et je la posterai ici. Voilà, alors oui je sais on est samedi, j'ai pas eu le temps de mettre les statues. Purée, je vous en parle tous les jours de ces statues j'ai l'impression, mais j'ai vraiment pas eu le temps de les mettre tout simplement. Mais je vais le faire dans la prochaine vidéo normalement. C'est juste qu'aujourd'hui j'ai enregistré beaucoup de vidéos. Voilà, je vous le dis, j'ai enregistré énormément de vidéos aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai pas pu forcément faire de pause et tout. Par exemple la vidéo que vous avez vue hier, je l'ai tournée il y a quelques heures en fait. Bon allez, on va rentrer dans ma maison, elle est toujours aussi moche, mais demain on va la changer. Et on va aller voir Carlos. Carlos, t'es où Carlos? Ah il dort? Mais attends, mais il était en train de jouer la dernière fois. Alors il... Attendez, parce que même moi je connais pas très bien la maison, je veux juste voir où il est. Ah il est là, Carlos! Carlos! Carlos, ça va Carlos? Bon, ça fait mal. Bah oui, mais sinon tu te réveilles pas, je t'ai appelé 5 fois là. Toute fois plein de ma tête, j'ai trouvé Xibers. Pourquoi? Pas parce que ma tête, j'ai mal là, du coup. Ah, tu te fous un peu de... Bah non, mais t'inquiète, regarde, hop, je te fais une petite tape sur la tête, tiens, cadeau. Non, non, souffle-moi dans la tête pour que ça se regonfle. Ah, bah tu me craches dessus. Ah, c'est vraiment dégueu. Bah non, j'ai soufflé dedans, c'est tout, c'est toi qui m'as demandé de souffler dedans. Ah, mais qu'est-ce que c'est ça? Non, 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 commence pas à pourrir ma maison. Regarde. Ah, arrête, comment se passe? Bam. Ah, c'est dégueulasse. Arrête, de, comment se passe? C'est une substance de merde. Oui, bah arrête de mettre la substance. Cela s'immerge dans ce cas-là. Ah, je veux pas savoir, Carlos. Juste, s'il te plaît, arrête de faire des bêtises. C'est ma toute nouvelle maison. J'ai pas envie qu'elle parte en ruine dès le premier jour, ok? Ouais, t'inquiète, ça sera dans le deuxième jour qu'elle partira en ruine. Et ouais, bon, bah déjà, il faut que tu te trouves une maison, Carlos. Ah bon, une maison pour moi? Oui, t'auras une maison pour toi, et c'est même moi qui va te la payer, tu pourras faire ce que tu veux. Quoi? Tu vas payer une maison? Bah ouais, t'as vu, je suis pas un meilleur ami, moi. Ah si, mais de l'argent, tu peux me la donner dans le kit, ça te dérange pas non plus. Non, 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 je vais t'acheter une maison avec mon argent, voilà. Carlos, tu pourras montrer aux abonnés, tu t'avais acheté un suite, là, avec mon logo. Oh oui, bah faut que je le trouve, ça. Ok, bon bah ok, faut que tu le retrouves. Bon bah tu le retrouveras pour la vidéo, hein. Ouais, j'essaierai de la retrouver pour la vidéo. Ok, oui, parce que Carlos il a commandé mon suite avec, vous savez, mon suite tout blanc avec mon logo, comme j'ai moi-même commandé pour que je le montre en vidéo. Bon, en ce moment c'est la canicule chez moi, donc voilà, enfin c'est la canicule pour tout le monde, je pense. Ouais, la clavicule. C'est la clavicule pour tout le monde, donc gros, je le mets pas. Voilà. Et c'est parce que c'est un suite et voilà. Mais du coup Carlos bah il va le mettre. Alors du coup Carlos, tu vas sortir chez moi tout de suite. Oh, t'inquiète, t'inquiète, je rigolais. Bon, tu mets des coups de pression, c'est ça? Eh oui, j'adore te mettre des coups de pression Carlos. Bon, ah bah j'ai des ressens. Du coup tu peux choisir, il y a soit des immeubles par là. Voilà. Il y a des buildings. Ah non, ça doit se planter. Ah ouais, je pense aussi. Mais voilà, soit c'est marqué dessus aussi. Mais où tu vois marqué? Ah non, mais toi tu regardes tout derrière toi. Voilà, oh, j'ai pas le... Ah oui, non, moi je te montrais celui juste devant en fait.
Bon, c'est pas de maison, ça, ça. Bon, si, je pense. Enfin, j'en sais pas, ça ressemble pas beaucoup, hein. Ouais, en gros, toi, tu veux une vraie maison, c'est ça? Bon, je veux une vraie maison comme la tienne, Oxymoz. Comme la mienne? Bah, presque, alors. Bah, viens, on va se balader dans les... dans les rues. Bah attends, ici il y en a déjà. Viens, on commence par là, Carlos. Ouais, on va voir ça. On commence par là. C'est quoi ça, Saint-Trémorel? Quoi? Ça c'est... Oui, oui, c'est comme à Saint-Étienne. Tu connais? Ah ouais, c'est je connais, c'est trop bien cette ville. Et t'as vu, il est vert comme à Saint-Étienne et il est vert comme toi, Carlos. Ah ouais, il est vert comme moi, mais il est pas assez vert à mon goût, hein, je trouve. Quoi, tu veux changer la couleur? Ouais, on changera la couleur plantaire. Ok. Bon, tu vois, il y a cette maison là, je sais pas si t'aimes bien. On va rendre de Berry. Ah ouais, c'est vrai. Elle est... Je crois que c'est de Berry, non? Je suis pas sûr. Je crois que c'est une maison. Ah, okay, mais quoi, elle est moche, cette maison. Ah, on prend ça. Ça sera pour Goosebert, ça. Goosebert, au cas, ça sera pour Goosebert. Il faut de ma gueule, s'il te plaît, parce que j'aime pas beaucoup ça, moi. Oh, désolé, monsieur Carlos, l'alien préféré de tout le monde. Ouais, bah, ouais, manger, c'est tout le monde qui m'aime. Alors, là, il y a... Là, il y a quoi? On aurait dû de chauve-souris, cette maison. Ouais, t'as vu, il y a la mer à côté, c'est ça qui est vraiment trop bien. Oh, il y a la mer. Ah, il y a un bateau, je vais là-dedans, moi. Non, 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 tu vas pas aller dans le bateau. Il est pas à toi, Carlos, remonte, remonte. Oh, c'est pas grave, on dit pas ça. Bah, vas-y, monte vite fait. Je vais aller parler aux abonnés vite fait. Bon, les abonnés, je vous ai pas. J'ai pas remercié les abonnés qui étaient au début de la vidéo. Vous savez, les sponsors, tout simplement parce qu'il y en a pas eu. Mais j'ai des gens à remercier. C'est les gens qui ont activé mon code sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à, à télécharger TikTok, les amis. C'est super important. Je vous en reparlerai après. Je dédicacerai les personnes après. Mais il vous reste jusqu'au 30 juin. Donc, il vous reste vraiment 3 jours pour télécharger TikTok gratuitement avec mon lien qui est dans la description. Et tout simplement utiliser mon code. Et comme ça, vous aurez une dédicace gratuite pour les vidéos, et je vous dis, il vous reste plus que 3 jours. Ça a été pendant tout le mois de juin, et d'ailleurs merci beaucoup à tous ceux qui l'ont fait. Mais là voilà, après vous aurez plus jamais de dédicaces gratuites. Donc c'est pour ça que je vous préviens, que vous ayez pas que vous commencez pas à me gueuler dessus après en mode ah mais moi j'avais pas eu le temps et tout. Moi j'imite la voix de Carlos, mais Carlos je sais qu'il voudrait une dédicace et qu'il aura pas le temps non plus. D'ailleurs faut que je lui dise. Mais voilà, donc voilà, parce que je sais qu'après il y en a, ils vont m'engueuler, ils vont me dire ah oui mais j'avais pas eu le temps. Oui bah t'as eu quand même un mois pour mettre le code, petit malin. Bon voilà, donc mettez les codes. Bon c'est bon, qu'est-ce que tu fais Carlos? J'en suis en train de regarder la belle vue. Ok ok, vas-y je vais dans le bateau avec toi. Pensez bien comme ça, bon, on explose. Quoi? Mais t'es fou toi? On s'en fout, c'est pas le nôtre. Mais quand même, c'est à côté de chez nous, on vient d'arriver dans une ville toute neuve. T'as envie de faire mauvaise impression dès le début? En plus, je suis rentré dedans. En plus, c'est super beau le bateau. Mais c'est pas à nous, Carlos. Vite, faut sortir. Attends, mais moi, je vais faire pipi dans leurs toilettes. C'est des toilettes, ça? Ah oui, pardon, ouais, pardon. Vas-y, vas-y. Bon, non, bah, tu veux voir quoi, Maximum? Non, je veux rien voir du tout, Carlos. Petit caca. Je veux rien voir du tout, Carlos. Non, merci. Ça mange, j'ai fait mes besoins. T'as fait tes besoins? Bon, bah, nickel. Waouh. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, Carlos. T'as juste pissé partout? Ah, c'est pas grave, ça c'est l'équipe de toi. Mais tu sais qu'il y a que toi qui fais du pipi d'alien. Hein. Ouais, c'est pour ça, de toute façon, ils sauront même pas ce que c'est. Ils vont dire, oh, c'est quoi ce truc de fou? Bah non, ils vont sentir que c'est du pipi d'alien. T'es con. Ah bon? Bah oui. Ah merde. Bon, c'est pas grave. De toute façon, les habitants, ils vont bien voir. Hein, ils vont bien voir. Ouais, ils vont dire, oh, c'est un peuple d'alien et tout, c'est trop gentil et tout. Mais est-ce qu'on peut le boire pour que tu sois plus super géant et tout? Ça m'étonnerait qu'ils disent ça. T'as vu, il y a des égouts ici. Ah, ça a des égouts de Paris. Les égouts. Ça se trouve, il y a des monstres là-dedans. Ça se trouve, il y a des tortues ninja. Ouais, faut leur donner des pizzas. Ah ouais, c'est vrai, j'en ai en plus. Tortue ninja. Non, 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 mais c'est bon, c'est bon. Pas de pizza. La tortue ninja. Ah, mais en vrai, mais tu sais que, en vrai, j'ai. En arrivant dans cette ville, il y a des abonnés qui m'ont dit ouais, fais gaffe, si tu tombes sur une ville comme ça avec un bateau, avec une église et tout, les égouts, ils sont peuplés de plein de monstres. Donc faut faire gaffe. Ah bon, ça veut dire qu'il y a des monstres, ça. Le monstre des égouts, on les appelle. Oh, le monstre des égouts, bien frotte, Carlos, que je t'en tape, je t'en tue. Arrête. Mange des potions qui pètent. Ah, c'est. Ah, Berk. Ah, c'est plein dégueulasse. De trucs bizarres. Allez, arrête ça, Carlos. Il faut trouver une belle maison là. Donc celle-là, t'aimes pas celle-là? Non. Celle-là, celle-là. Non. Pas joli. Bah, vas-y, viens, on se dépêche, comme ça, c'est fait. C'est pas ouf, hein. Quoi, c'est pas ouf? Eh, y'a un panier de basket, là, tu peux jouer au basket, mec. Eh ouais, mais bon, le panier de basket, je peux le faire aussi, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, j'en ai celle-ci. Elle est belle.
Alors là-bas, la millionne peut attirer par le million de Carlos. Le million de Carlos. Bien sûr, bien sûr. Bientôt, je rassemble la bande, Inch'Allah. Bientôt, bah oui, bah... Inch'Allah. Bah oui, c'est le jeu de Carlos, il le veut. Ah bah oui, bah oui. Bon, du coup, faut s'abonner à la chaîne de Carlos. Il aura bientôt 100 000 abonnés si vous abonnez. Donc, Carlos l'Alien, ça s'appelle sa chaîne. T'es à combien d'abonnés, là? J'en savais pas. Tu veux que je regarde? Ouais, va regarder. C'est le phone tell. Sur ton phone tell. Bon, bah, elle a l'air pas mal, cette maison. Je regarde vite fait. Ouais, je pense que Carlos, il se sentirait bien dedans, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais moi je trouve qu'il se sentirait bien dedans. Je pourrais faire caca pour plus et faire et peut-être perdre tout. Ouais, 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 Carlos, ouais, ouais, ouais. J'ai 39 000 abonnés, bientôt on est à 40 000. Ah ouais, mais dis donc, t'augmentes vite. Bah ouais, on est bientôt au 2100 000. Au 2100 000, ouais, au 2100 000. T'auras la moitié d'un cadre. Moi j'en ai ouais, j'ai la moitié du cadre dans YouTube. De toute façon, moi si j'ai un cadre YouTube, je vais pas l'appeler Carlos Lanyard. Tu quoi? Si j'ai un cadre YouTube, je vais l'appeler autrement que Carlos Lanyard. Tu vas l'appeler comment, Carlos? Juste par fierté, je vais l'appeler FC Chômage. Ouais, Carlos, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est FC Chômage pour les gens? Parce qu'ils connaissent peut-être pas tous. Oui, bien sûr, je vais juste changer ma tenue pour parler aux abonnés. Vas-y, vas-y. Bon, en fait, bah, je vais vous expliquer vite fait. En fait, FC Chômage, c'est le nom du groupe, c'est le nom de notre groupe avec Talcado et... Oh, mais waouh, mais t'es beau gosse. Mais attends, mais c'est ouais, pas... Je... Ah non, non, bah c'était pour expliquer ce que c'est un FC Chômage. Et mon sweat alors? Tu ne mets pas mon sweat? Tu l'aimes pas? Après, ça me note. Ok, ok, ok. Bon, vas-y, explique. Bon. Du coup, FC Chômage, c'est tout simplement un groupe qui s'est créé à partir d'un premier temps d'une conversation où on pouvait mettre que 10 personnes. On a mis d'un YouTuber Minecraft avec qui on s'entendait bien. Bah, des amis. Ouais, voilà, c'est ça. Le problème, c'est que à chaque fois, on était obligé d'exclure quelqu'un pour ajouter quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, Jour et Waris, le meilleur du monde, il a créé le FC Chômage. Non, c'est moi qui ai trouvé le nom. C'est moi qui ai trouvé le nom. Oui, non, mais il a créé le Discord. Ah oui, oui, il a créé le Discord à Waris. Et du coup, voilà, en fait, c'est un groupe d'amis youtubeurs. Il y a plein de gens. Il y a Twinner, il y a Diabolofit, il y a Souka, il y a moi, Shadowbass, Gamy, Unwin, La Salle. L'étoile noire. L'étoile noire. Il y a des youtubeurs, vous avez vu, il y a des youtubeurs GTA 5, il y a des youtubeurs Fortnite, des youtubeurs Minecraft. Il y a plein plein de monde. Il y a même des amis youtubeurs de nous dans la vraie vie et tout. Donc voilà. Il y a pas de tout, c'est comme le zoo, quoi. Ouais, voilà. Je pense qu'on est environ une vingtaine, trentaine, je pense. Ouais, je crois que c'est à peu près ça, oui, une vingtaine. Voilà. Et la plupart des youtubeurs, ils ont environ 100 000 abonnés minimum. Voilà. Wow, c'est à peu près ça. De toute façon, moi je veux l'appeler comme ça le cadre FC Chômage. Parce que même si un jour le FC Chômage n'existe pas, c'est grâce au, entre guillemets, au FC Chômage qu'on sont tous motivés à faire des vidéos, des bonnes blagues, des bonnes ententes, etc. C'est vrai. Vous savez que en vrai, sans ce serveur là, Discord, et bah, moi je serais moins motivé à faire des vidéos et tout. Parce qu'on se parle tous et on s'entraide tous et c'est important. Bon, Carlos, fini de blablater. Tu veux aménager cette maison, oui ou non là? Moi de blabla plus de Uber Eats. De Uber Eats? Ouais, il y a mon livreur, j'ai commandé la pizza. Ah, mais purée. Bon, vas-y, vas-y, tu reviens tout à l'heure. Hein. Ouais, j'arrive, il arrive dans le coin de la rue là-bas. D'accord, d'accord, bah vas-y, je vais aménager ta maison. Bon, les amis, on va pas aménager l'intérieur pour l'instant parce que je trouve que c'est quand même un peu chiant au début. J'ai envie de lui faire une surprise, c'est que vous voyez, là, il y a des fenêtres et je sais que Carlos, bon là, il est parti chercher son Uber Eats, ça va mettre un peu de temps, mais je sais que lui, il aime les maisons bizarres. Donc, on va remplacer les fenêtres par des yeux de Carlos et du coup, on va mettre du verre tout autour et je sais qu'il va adorer. Je vous le jure qu'il va adorer. Donc, regardez, on va prendre des blocs de vitres noires et blanc, et on va prendre du verre comme ça, voilà. Et du coup, on va casser tout ça. Regardez, hop, voilà, on casse tout ça, même ça, comme ça. Ça, on casse. On va casser tout ça, voilà, on va faire en gros, hop, tac, voilà, comme ça. Ah, même peut-être pas forcément casser, je vais voir. Je casse peut-être trop haut, mais regardez ce que j'ai envie de faire. Donc là, ça va être bon. Donc, je vais faire. Ici, je vais mettre du vert, et là, ça va être le milieu. Donc, on va faire du blanc, comme ça, là, du noir et du blanc. Et du coup, là, ça fait un œil de Carlos, les amis. Et c'est ça qui est vraiment stylé. Donc, on fait la même chose ici, avec le milieu, on va dire que c'est à peu près... On va dire que c'est à peu près là. Après, on va voir ce que ça donne. Hein. Si ça rend moche, bah, tant pis, on fera pas. Attendez, je veux juste voir si c'est à peu près symétrique. Là, on met 3 blocs. 1, 2, 3. Là, on va mettre 3 blocs. 1, 2, 3. Et... Ah, ça sera short quand même. J'ai envie de faire un truc comme ça, voilà. On va en mettre 2.
Et là on met 2, c'est pas grave. Eh mais en vrai c'est bien ici hein. Ah ouais mais c'est pas trop centré. Ok c'est pas grave. Donc du coup hop, tac tac tac. Et vous allez voir il va trop aimer. En tout cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. Ça me ferait trop plaisir les amis. C'est super important donc voilà n'hésitez pas à le faire. Et là il y en a 3. Ah ouais c'est un peu bancal mais en vrai ça peut passer. Donc tac tac. Non pas des boutons, pas des boutons. Je sais pas où je les ai eu ces foutus boutons. Mais je n'en veux pas. Voilà, on fait comme ça et comme ça. Wouh! Ah ouais, mais là, elle est trop belle la maison. Du coup, je vais rajouter du verre partout ici. Voilà, je vais rajouter du verre partout là, 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 là. Et il aura des magnifiques fenêtres, Carlos. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, je suis sûr qu'il va trop, trop aimer, les amis. Ah oui, j'ai oublié de mettre le pilier là. Voilà pourquoi ça paraissait bizarre. Voilà. Et là, on va mettre du verre également ici. Comme ça. Ah, il va trop aimer, les amis. Bon, par contre, ça fait longtemps qu'il est allé chercher son Uber Eats. Je sais pas ce qu'il est allé faire là, mais voilà. C'est son Carlos Eats. Ah, mais il va trop aimer. Ah, ouais, il va trop aimer là. Ça va être sa maison. Hein. C'est sa vraie maison. Après, je pense que. En plus, vous avez vu, ça ressemble un peu à ses cheveux, ça. Donc, ça va être vraiment cool. Et pour le rez-de-chaussée, là, le mur du rez-de-chaussée, je pense qu'il va le faire lui-même. Ou peut-être que j'ai juste à remplacer la brique par ça. Et on laisse les fenêtres noires et blanches. On dirait que ça fait comme une bouche qui est ouverte. Ça vous fait pas cette impression là? Genre on dirait vraiment que c'est une bouche qui est grande ouverte. Avec ses dents et tout. Là ses dents regardez. On dirait qu'il fait. Ah si elle est vraiment bien la maison. J'aime beaucoup. Mais moi je dirais sur 10 dites-moi en commentaire sur 10 combien vous mettez la maison. Mais moi pour l'instant rien que la façade elle me fait trop rigoler. Donc je mettrais 7 sur 10. Voilà, 7 sur 10. Après, reste à voir comment il fait l'intérieur et tout. Alors, je tiens à vous rappeler aussi quelque chose d'important. C'est que ça va pas être sa maison principale. Hein. Ça va être sa maison secondaire parce que sa maison principale, vous savez, elle est dans la même ville que Awariz et Talcado et tout. Donc, voilà, ça va pas être sa maison principale. C'est important. Ah, alors, attendez. Une seconde. Voilà. Ma cam vient de couper. On se remet comme ça. Alors, voilà. Donc, on a fini la façade. Normalement, il devrait bientôt arriver. Carlos! T'es où, Carlos? Carlos, il est là. Ah bah ça se trouve il déguste son Uber Eats, j'en sais rien. Alors du coup on va le laisser tranquille. On va changer un petit peu des trucs là. Ça je pense qu'il s'en fiche. Voilà on va casser tout ça. En fait je pense qu'on va tout casser. Et comme ça il pourra lui-même faire à sa sauce son appartement. Voilà. Enfin sa maison carrément, c'est une maison maintenant. Donc voilà on va tout casser et il pourra faire à sa sauce. Il pourra tout faire à sa sauce. Et c'est ça qui est vraiment trop stylé. Ah bah t'es là toi Carlos. Oh, c'est bon. T'as vu la façade de la maison ou pas? Je vais. Oh prudence, non, arrêtez, c'est pas le Carlos. C'est Carlos, t'as vu? Vas-y, on fait une petite pause, ça pose. Tiens, la pizza. Oh, merci beaucoup. C'est Carlos Hit qui rigole du coup. Ouais, c'est Carlos Hit qui va se faire déglinguer parce qu'il a commandé 2 mérites dans la journée. Ah, ah ouais, d'accord, ok. Et comment il s'appelait ton livreur aujourd'hui? Attends, je t'en laisse attendre. Devine. Je sais pas, Mohamed. Non, mais c'est bon, on peut pas deviner. Ok. Il s'appelle Riyad. Riyad, ah ouais, purée, mais on a déjà eu un Riyad. La dernière fois, tu m'en avais déjà parlé, non? C'est possible, je le vois pas possible. Dessus, là. Eh, parce qu'en fait, on commande beaucoup Uber Eats dans le FC Chômage, justement, dans notre groupe de youtubeurs. Parce que, à force de faire des vidéos, ça donne faim. Et surtout, on n'a pas forcément le temps de se faire à manger. Et surtout, on est assez jeune et tout. On sait pas trop faire la cuisine. Et du coup, on commande Uber Eats. Et notre délire à nous, c'est de répertorier tous les livreurs. Et du coup, voilà, on a une conversation dans Uber Eats où on met à chaque fois le nom de nos livreurs et tout. Et c'est aussi pour nous rendre compte de combien de Uber Eats on prend. Et que c'est quand même un peu grave, il faut quand même se faire à manger des fois et des trucs sains. Parce que toi, voilà, t'as commandé McDo, je suppose. Non, pizza. Ah bah oui, c'est pour ça que tu m'as ramené des pizzas. Bon, voilà. Ouais. Bon, tu vas me le mettre ce foutu sweat ou tu veux pas me le mettre là? Ah ouais, ça, il faut que je le mette. Attends, je vais aller dans les toilettes. Ouais, il n'y a pas de toilette ici d'ailleurs. Ah bah ça va sûr, c'est une vraie maison d'alien. C'est une vraie maison d'alien, et oui. Bon bah tu feras... Mais sérieux, il y a des toilettes là, il y a des toilettes. Là. Bon, je fais un peu plus dans la salle de bain, ça veut. Bah oui, ouais, c'est bon. C'est bon, on ferme. Attends, bon. J'enlève, je sors le petit cuicui là, donc attention. J'ai dit je sors le petit cuicui. J'ai pas envie de savoir les amis. Bon du coup, comme je vous ai dit juste avant, on va juste vider la maison et il se chargera de faire la déco. Voilà, moi je sais pas quelle déco il veut. Je fais juste la déco extérieure et sinon la déco intérieure, j'enlève juste tout pour que il puisse être libre de son choix, de ses choix. Donc on fait comme ça, on fait comme ça.
les lits sont moches, on enlève tout. Et d'ailleurs, bah, je vais remercier les personnes qui ont activé mon code sur TikTok. Oh, en plus, la fenêtre, elle rend trop bien, c'est trop stylé. Et juste après, je vais remercier les gens qui... Oh, mais il y a une terrasse! Ah, mais oui, mais on l'avait visité avec... on l'avait visité hier, je suis trop bête, moi. Et oui, on l'avait visité hier. Bon, allez, on enlève tout ça. Je suis sûr qu'il voudra mettre une piscine, lui, encore sa piscine remplie de pipi. Voilà. Donc, on enlève toutes les plantes. Ici, encore des trucs à enlever. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Oh, ce bel père va jouer. Je dirais, tu es qu'à son sel. Et tu es de ma vue. Quoi, qu'est-ce que tu racontes, toi, Carlos? Ah, tu veux, t'es où? Tu veux que je rentre? Ouais, t'es où? Je suis là. Ah, bah non, mais j'étais aux toilettes. Attends, mais... Ah non, mais moi, je vais te sortir dehors, je savais pas que t'étais là. Tu veux un demande, ça sert. Non, non, c'est bon. Ah, mais c'est trop stylé. Donc, vous avez vu, il a mon suite que j'ai acheté dans la vraie vie, mais il l'a dans Minecraft. Mais c'est trop stylé. Ouais, c'est pour faire du commerce, Oxymose. Ah ouais, c'est pour faire du commerce, je vois ça. Ouais, sur le cartel, on m'appelle le Yankee. Ah ouais, le Yankee. Ah ouais, ça veut dire client à l'envers. Ouais, ça sert, je suis un beau client, moi. Ok. Donc, pour ceux qui savent pas, les amis, bah ouais, dans ma boutique, j'ai sorti un suite. Bon, c'est pas trop le moment pour acheter un suite vu la canicule. Mais si vous voulez le mettre pour plus tard, et de toute façon, ça met plusieurs semaines à arriver, je pense que la canicule, elle va pas durer non plus 2 mois et demi, quoi. Elle va pas durer toutes les vacances. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique. On voit, en fait, ça, on voit mon mini logo en haut à droite. Et dans le dos, il y a mon logo en géant. Et c'est trop stylé. D'ailleurs, c'est un des seuls trucs que j'ai acheté sur la boutique. Parce que, bah, moi, je suis un peu plus grand. Je vais pas mettre des suites avec Lucky et tout. Enfin, voilà. Ouais, on peut dire ça comme ça. D'accord. Pourquoi il rigole lui. Bon, du coup, comment s'aménager ta maison là? Alors, tu veux aménager maintenant? Non, mais tu mets 2-3 trucs, au moins un lit, enfin le minimum. Faut qu'on aille faire les courses, faut qu'on achète un Conforama, tout. Ah bah oui, faut qu'on achète un Conforama. Bon, au moins, fini de modifier, voilà, rajoute quelques trucs. Ouais, rajoute quelques trucs pour l'instant. Le temps que je remercie les personnes qui ont ajouté mon code sur TikTok, voyons. Bon, voilà, alors juste, j'ai envie de me mettre. Juste pendant que je remercie les gens, j'ai envie de me mettre là comme ça. Vous voyez la maison de Carlos parce qu'elle est vraiment trop drôle. Bon, du coup, je vais remercier les gens qui ont activé mon code sur TikTok. Je vous rappelle, c'est totalement gratuit et vous aurez une dédicace gratuite. Mais c'est que jusqu'au 30 juin. C'est vraiment dans pas longtemps. Donc comment faut faire? Faut avoir un téléphone qui n'ait jamais eu TikTok de sa vie. Par exemple, si vous avez déjà TikTok et que vous le désinstallez puis vous le réinstallez, ça ne marche pas. Il faut par exemple que vous ayez un téléphone qui n'ait jamais eu TikTok. Si c'est vous avez déjà TikTok sur votre téléphone, vous prenez par exemple le téléphone de vos parents ou de vos grands frères et grandes sœurs. Une fois que c'est fait, vous allez sur une de mes vidéos, par exemple celle-là, vous cliquez sur le titre, ça va dérouler la description et il y aura un lien et un code. Un lien télécharge TikTok, donc tu cliques sur le lien, tu télécharges TikTok, tu te crées un nouveau compte, c'est super important. Et une fois que c'est fait, tu vas sur TikTok, tu vas dans l'onglet découverte, c'est la petite loupe, et tout en haut, il y a plein d'images et tu fais défiler jusqu'à tomber sur Astro TikTok. Une fois que c'est fait, tu rentres le code qu'il y a aussi dans la description, c'est 38 59 60 71. Je sais que c'est un peu chiant à faire, mais au moins c'est gratuit. Donc voilà, si vous voulez une dédicace gratuite jusqu'au 30 juin, voilà. Donc un énorme merci à YTBYTB, à Crystal de Feu, Amandine Schneider, Jason Buffer, fan de Talcado, Minotti 123, Shy Miley 07, NNHYFDCFGH, ok. Christian Stodolny, Mononomico, Loez, Régis, Lily Cacahuète, et après c'est des gens que j'ai déjà remercié, Polymo 90, tout ça. Voilà, parce que comme je vous dis, je tourne les vidéos assez. Enfin voilà, dans un délai assez court. Donc merci beaucoup à vous, ça fait trop plaisir. Bon alors, Awariz, purée, tu me fais trop penser, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo avec Awariz, c'est pour ça que je disais Awariz. Qu'est-ce qu'il y a? Carlos, pourquoi tu mets... Ok, bon bah c'est super beau Carlos, hein. Franchement, ah, c'est pour toi ça? Non, bah non, c'est pour la femme de ménage. Ah bah oui, je me disais, Carlos qui fait le ménage et la lessive, ça m'étonnerait, hein, ça m'étonnerait. Je mets des radiateurs parce qu'il fait froid en ce moment. C'est pas des radiateurs, c'est des clims. Ah merde, bah là je l'enlève parce qu'il fait froid en ce moment. Ok, ok. Bon, en tout cas, ça te va super bien le suite. On dirait vraiment un gangster. Un Yankee. Bon, voilà, c'est bizarre parce que t'as le cadeau, si il a pas si commandé le suite. Si vous voulez ressembler à Yankee, faut acheter le t-shirt d'Oxymos qui est dans la description. Bon, voilà. Bon, les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo. Franchement, bah voilà, on a trouvé la maison de Carlos. Je suis super content. J'espère que ça te plaît aussi ta nouvelle maison, Carlos. Ouais, franchement, là, super sympa, moi, je kiffe trop. Moi, ce que je préfère, c'est la façade que je viens de faire, là, avec les trois yeux. Faire chier, de l'eau faire chier. Le façade, je repeins le façade.
C'est trop bien. Bon voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Ne partez pas tout de suite, allez checker dans la description. Il y a tous les liens, il y a mes 4 chaînes YouTube, il y a mes réseaux sociaux, il y a le lien pour devenir membre, il y a le lien pour la boutique, il y a les liens pour le TikTok, il y a la totale. Et abonnez-vous à la chaîne de Carlos évidemment. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, pensez à la commenter, à la liker, à la partager, c'est le plus important. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oxymos pour vous servir. Allez, ciao, ciao.